J'espère que tout le monde a trouvé une place. Oui. Elle s'inscrit dans les traditions du lycée d'Auvergne. Et j'espère qu'elle ne faillira pas à la tradition, même si je vois par là-haut des gens qui ont un peu confondu soirée de fin d'année et mardi gras. Je voudrais, en commençant cette soirée, adresser un certain nombre de remerciements. D'abord, un remerciement un peu anticipé à tous ceux qui vont ce soir présenter des sketchs, des numéros, en sachant qu'ils l'ont fait rapidement, qu'ils l'ont mis sur leur temps scolaire, et que ça n'est pas toujours facile de mettre au point des numéros. Bon, j'espère que, comme les années précédentes, ils seront de qualité. De toute façon, il y aura un jury, puisque, comme l'année dernière, ça a été institué l'an dernier, il y aura la cérémonie de la remise des fourches d'or, fourches d'argent et fourches de bronze, qui seront attribuées par un jury à l'entracte. Je voudrais remercier particulièrement ce soir le personnel de la cuisine, qui, au terme d'un trimestre long pour tout le monde, pour vous, mais également pour eux, a eu à cœur de vous préparer un repas de fête. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez vu aussi que tout le monde était là, y compris ceux qui travaillaient depuis 6 heures ce matin. Je pense que cela vaut d'être souligné. Je voudrais également remercier les membres du personnel qui sont présents ce soir et leurs familles. Et parmi eux, bon, je ne les citerai pas tous parce qu'ils sont très nombreux ce soir, et c'est très bien. Et je les remercie d'autant plus qu'ils courent le risque, en cette soirée, comme moi d'ailleurs, d'être quelque peu égratignés par les sketchs que vous présentez. Ce que j'espère et ce que je souhaite, c'est que les égratignures seront de bon goût, de qualité, et que nous les apprécierons, vous comme nous. Enfin, avant de laisser la place aux présentateurs, puisque je ne reprendrai pas le micro avant que vous ne partiez en vacances, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes, et à vos familles, de bonnes fêtes de fin d'année, et donc un joyeux Noël, et une bonne année 1988. Dernier mot, et après je me tais, je voudrais remercier particulièrement celui qui est l'animateur infatigable, celui qui prépare ces fêtes avec votre aide, mais vous savez combien son appui est précieux, c'est M. Schalk. Il ne compte jamais son temps, il ne compte jamais son cœur, et sur qui tout le monde peut toujours compter. Bonne soirée. Thank you.
Anne tient à remercier certaines personnes. Oui, je voudrais remercier d'abord les élèves qui ont bien voulu se jeter à l'eau ce soir, parce que c'est pas rien. Les animateurs plus ou moins directs qui ont aidé à l'élaboration de cette fête. Et notamment, bon, je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont pas mal, mais il y a Mathilde et Rachid qui ont aidé pour le club théâtre, qui n'ont pas épargné leur temps. Il y a Marc du club musique. Il y a Monsieur Burlot pour l'UTB Molière. Il y a tous ceux qui ont permis au club de répéter cette semaine, bien sûr. Et il ne faut pas oublier non plus Monsieur Schack, qui effectivement fait une grosse part dans tout ce travail. Voilà, alors merci à tous d'être là ce soir, et puis place au spectacle. La classe de première C nous fait part d'un certain nombre de confessions.
Thank you.
C'est parti, Ron.
Je m'invente ration. Des émissions en tout genre y passent, ou y passaient. Comme un certain droit de réponse remis à l'ordre du jour par les terminales A, B et C, qui en ont fait un droit de réponse. Mais ton œuf, ça fait plus de prix.
Taisez-vous, s'il vous plaît. Nous allons pouvoir commencer. Je vais donc demander au JEV quels sont leurs arguments vis-à-vis du monde agricole, parmi les agriculteurs, je vois. Le plateau n'est bénéfique pour la nature, et vous, vous détruisez tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est le rendement et le profit. Écoutez, messieurs, si vous voulez vous battre peut-être à la fin de l'émission, mais pour l'instant, taisez-vous. Donc. Aussi, nous allons demander l'avis à notre professeur Béralovitch. Que voici. Professeur, à vous. Je pense que le conflit est lié à un trouble de l'autofécondation des grâces à l'image. Certes, celui-ci a lui-même influencé l'écriture en papyrus, sur le papyrus des Égyptiens dans l'Asie orientale. De ce fait, nous voyons que le chameau ne mange pas de soucis. En effet, merci professeur. Nous pouvons constater que son enseignement est basé sur un vrai enseignement scientifique, mais qui, pour nos invités, ne veut rien dire du tout. Donc je m'adresse maintenant à nos chers téléspectateurs, qui, je le rappelle, vont pouvoir nous appeler au 3615, Claude et là-haut. Et tout de suite, nous allons passer à une page de publicité. La traditionnelle vue. Allez, on arrête de regarder les prospectus. C'est Larry. Il est là, Youssef. Appelle-moi Youssef, cherche-le là.
Mais parce qu'on fait un truc ce soir, allez, comment tu dis déjà là, les messuis qu'on fait ce soir, Rachid est en train de rôtir le mouton, là, il est en train de les prévenir. On est plus à 150, hein. Et il y a même le tonton du Maroc qui revient ce soir spécial pour toi. Tu vois, tonton Youssef, tu viens. Il n'y a pas de Youssef ici, vous êtes à la télévision française. Quoi? Il n'y a pas de Youssef ici, c'est la télévision française. Bon, ben ça fait rien, moi ça me dérange pas, c'est soit la télé, hein. Si tu le vois, le Youssef, tu lui dis qu'il doit passer, hein. Allez, salut quand même, hein. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, excusez-nous, ce sont des petits problèmes techniques. Et plus vite, nous allons passer à une question plus sérieuse, moi je l'espère. SVP, allô? Allô? Là? Bonsoir. En tant que syndicat, membre des syndicats de travailleurs paysans, je voudrais savoir pourquoi la querelle est liée entre les agriculteurs et les horticulteurs. Parce qu'on travaille mieux de la terre, hein. Bon, certes, pas la même façon, mon père. On travaille quand même de la terre, hein. Alors, je vous remercie, hein, pour la réponse. Je vous envoie avec tous et deux, hein. Vous, merci, bonsoir, hein. Donc c'était une très bonne question, nous allons essayer d'y répondre tout à l'heure. Merci monsieur Bonfag, moi je crois que c'est votre nom. Oui, je pense. Nous allons encore écouter les deux derniers appels, ensuite nous passerons à autre chose. Allô, SVP? Salut les gars, c'est Auguste Pignard de la Monte Pablo. Je vous invite tous à voir le petit canon chez moi là, ce soir. Georges, Eugène, je vous invite tous à voir le petit canon chez moi. Vous venez, hein? C'est qu'ils prennent notre studio pour un bistrot. C'est pas possible pour qu'ils se prennent cela. On va tout de suite passer à la dernière question. Allô, bonsoir. C'est bien l'émission La Seule Délation? Non? C'est pas l'émission La Seule Délation? Ah, c'est dommage. Bonsoir. Bon, après les appels téléphoniques de nos téléspectateurs qui, il faut le dire, n'avaient pas grand sens, voire même aucun. Nous allons demander l'avis à notre cher professeur. Allez-y, professeur. Bon, je vais vous communiquer ce soir essentiellement les résultats de la NASA en matière d'implantation de baobab en Antarctique. Alors, alors nous voyons que 30% des plants, 30, ont été perdus et été bouffés par les phoques. 30% des plants ont été brûlés par les indiennes, vous voyez, de pas de bois. Et 40% des plants ont été perdus pendant 30. Le résultat de ces analyses montre que, bon, malgré les quelques inconvénients, l'implantation théorique du baobab en Antarctique est possible. Contrairement à la pullulation des termites rouges en Alaska du Sud, qui ont régressé suite à l'attaque thermonucléaire des fourmis rouges d'Alaska du Nord. Alors, nous... Ah oui, merci professeur. En effet, votre discours est armé de... Et si, monsieur... Les huit constabulations libres. Ah non, monsieur, c'est pas... Vous parlez de baobab, là, de... Et là, les huit constabulations libres, c'est dans le studio 13, ici, on est dans le studio 13, alors il y a l'obligeance de dégager. Ah bon, mais c'est le 13, c'est le 16, c'est pas pour moi. Oui, monsieur, Donc après les petits inconvénients qui en fait sont le résultat direct, je vais demander aux invités si, d'exprimer leurs sentiments profonds les uns envers les autres.
article. Pas de réponse. Maintenant, nous passons sur le plateau répertoire. Tous les secondes séances, vous nous présentez l'émission de Fabrice, de ses chers collaborateurs, La Classe. L'émission que l'on peut retrouver le soir à la télévision et qui est tournée par le point hors d'un studio, il faut bien préciser, sur le plateau de Mélao. Donner une lettre à chaque élève et chacun va me donner un exemple de vote. Bon,
Alors nous allons commencer. Alors, monsieur Batin, j'ai l'air pas. Ah, Coke, un mot d'arrêt, arrête d'amasser tes amandes dans la noire. Aère les cas, tu as vomi ta stylo à l'air. Très bien. Alors, le bébé, monsieur Lambran. Dès comme Batinger qui a barbé dans son bavoir et qui a balancé sa bouillie dans la baignoire. Bonjour, ma sœur, est-ce que je suis un peu. Venez à domicile, une petite demoiselle au décolleté des morts. Au dessert, désir diabolique de soin, direction le dimanche de l'Olivier. Thank you.
là. Thank you.
de droit de défense ou droit de défense sur TF1. La classe de faire 3, on continue encore sur une chaîne qui apparaîtra peut-être bientôt. Sinon, prochainement sur nos écrans, mais en activité pour nous ce soir, nous avons la chance d'accueillir sur notre plateau à nous Macao, revue et corrigée par les CS1. Alors, c'est une émission de variété, encore, bien sûr, puisque c'est la télévision. Nous leur laissons le temps d'installer leur matériel, parce que ça demande quand même un petit peu de temps. Pour une fois, qui a la belle vidéo.
Atelier musique section guitare avec Pascal, Gabriel, Fabienne avec son piston, son pipeau à piston, et puis moi Olivier. Alors on va essayer de vous faire quatre chansons qu'on aime bien de Cabrel, Moustaki, Ferra, et la dernière chanson c'est une surprise. Pas pour tout le monde. Alors cette chanson on voudrait la dédier à deux amis, dont un qui est dans la salle et une autre qui est à Lille. Plus belle et malheureuse qu'on ne vivra jamais tous les deux. Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai épuisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portes tes déchets. À ton vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. La paix jolie,
Marie, de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Qui aurait pu aimer Joseph, prendre Sarah ou Déborah. Et rien ne serait arrivé, mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler. Caché avec Marie, tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire les petits avec Marie, et leur apprendre ton métier, comme ton père te l'avait appris. Pourquoi il fallait, Joseph, que ton enfant. Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit, toi qui m'avais demandé d'être heureux avec Marie. Le pire, c'est que j'ai oublié Fabienne. On devait faire un solo. Je vais me faire taper sur les doigts. La troisième chanson, une chanson de Jean Ferrat, La Montagne. Il quitte un âme le pays. S'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Ça fait longtemps qu'ils ont rêvé de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils se suivaient marginal, la robère ne mange les lèvres. Mais ils savaient à tout propos tuer la caille ou le perdre. Ou manger la tourbe de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol hirondelle, que le printemps vient d'arriver, avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous la mienne et nous, comme un pied de vigne. Le vin ne sera plus tiré. La vigne, elle court dans la montagne, le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus savoir quoi en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol hirondelle, que le printemps vient d'arriver. De chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles, elles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leurs villes seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans son père que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle.
peut-on s'imaginer? En voyant la meule virulente, que le printemps vient d'arriver. Chanson à l'origine espagnole qui a été reprise par Moustaki. Il a traduit les paroles qui a été reprise par Chaudassin, par plein de gens connus. Et puis par nous. Pas connu, pas encore. Ça s'appelle Guantanamera. La voix
pour elle. Hein. Et on l'a absolument pas répété. À chacun son tour. On passera peut-être une autre fois. À la prochaine. Bravo, Josy. Elle fait des ménages, elle en était aussi à l'occasion, si vous voyez ce que je veux dire.
Bonjour dame, tous les médecins. Tous
vous allez complètement à l'échec. Non. Allez. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. Et bon vous courage. Tu tiens, moi, à mon grand-père. Ah, allez, viens, mon pigeon, viens. Le psychiatre tente une expérience. Cher monsieur, que pensez-vous de Saint-Martin? Arrêtez, docteur, vous allez le faire rire dans les concards. Je vais lui prescrire un remède qui le remettra bien en selle. Donc, tu lui dis dans un verre à cheval. Capte-le, docteur, un verre à cheval. Un seul, évidemment. Ah bon? Donc, en plus d'un plateau, vous lui ferez un fusion des infusions de tickets de PMU mélangés à de la médecine. Et, je suis sûr, tu te racontes pour le passé. Je l'espère, docteur. Oh, remarquez, je n'ai pas un cœur. C'est un bon cheval. Ah oui. Ah d'accord, excuse-moi, chérie. Je vais aller faire ton petit tour au Bois de Boulogne. Au revoir. Bon, la récréation est terminée. Ouais, deux chats, c'est que 5 minutes. C'est l'heure de la soupe, on rejoint à l'heure. Ouais, que tu t'es bien amusé. Ce n'est pas un de pour le petit cas. Il n'est pas méchant pour un sou. Il est juste un peu fêlé. Répète pas ce que tu viens de dire, là. Je disais donc, ce n'est pas un mauvais pauvre le petit cas. Il n'est pas méchant pour un sou. C'est mes répliques. Va manger. C'est à force de voir des gens. Détraqués qu'il a eu ce cabanon. Ça l'a rendu dingue. Alors, de temps en temps, avec d'autres malades, on lui laisse exercer son métier. Ça lui rappelle le bon temps. Thank you.
élèves de seconde qui a fonctionné tout au long de ce trimestre et pendant cette semaine justement. Et ils ont découvert Molière, le grand Molière. Et ils vous le présentent à leur façon. Voilà. Et on embraye tout de suite avec un petit interlude musical avec le grand Bugne au saxo et le bon Fritschou. À quoi déjà? Alors, bien sûr.
Après congelé, voici le boyard chaud nouveau. La technique évolue, les idées aussi. Voyons voir ce que cela donne. Le boyard chaud. Thank you.
professeur. Allez, tu vas couper.
mieux par qui au marché. Au moment où le gars brandissait sa faucille, un des deux prétendants à la betterave se précipita sur cette dernière pour la protéger. Mais il est fou, lui! Mais il est fou, tu risques ta tête, là! Mais les gars l'ont cinglé! Pas que le moyen plein de sang! Bon, si c'est comme ça, je vais te léguer ta betterave. Et toi, on va la bourrer. Mais les règles mêmes. Et sa mère voulut lui faire son éducation intime. Et nous avons appris que ce dernier a décidé de donner son corps à la terre sous forme de matière organique fraîche. Enfin, on l'espère. Parfois même, l'histoire peut nous surprendre. En fait, je l'ai croisé dans la rue lors d'une exposition agricole. Après avoir labouré quelques champs ensemble, je lui ai demandé le secret de sa longévité. Il m'a avoué qu'il était un des descendants de Alphonse Schwengler Highlander. Qui aurait pu s'en douter? Thank you.
je me présente, je me nomme M. Michelard, je travaille à la MSA, c'est-à-dire que je travaille à la maison Strasbourgeoise de Victor Agricole. Je suis ici, sur la demande de votre président Victor, excusez-moi, M. Martin, bien sûr. Avant de commencer, j'aimerais vous dire une petite anecdote. Je veux simplement vous rappeler que le vieux métier du monde n'est pas celui que vous croyez. À quoi pensez-vous, bande de petits vicieux? Berger, c'est le travail du sol. Car, comme le plus vieux du métier du monde, c'est sur le tout le on retrouve une première trace du travail du sol, bien plutôt qu'on puisse le croire. En effet, nous savons et de source sûre que les premiers hommes à avoir travaillé la terre furent les hommes du Cro-Magnon. Ils étaient déjà dotés de voyages de la terre pour l'eau, mais ces techniques présentent un gros inconvénient, c'est l'attachement de la terre assez important. Heureusement, les dieux étaient avec nous et ils nous envoyèrent un moyen de travail plus vite. Et nous envoyèrent un moyen de travail plus léger. On appelle cette charrue le JC. Mais cette technique de labour ne résout point le problème des joues et verbes. Et ce n'est que bien plus tard qu'arriva Attila, désherbant surpuissant dans la demi-été, là où je passe, plus rien ne pousse. En Suisse, sous l'époque du ras soleil, les cultures desséchèrent et moururent. Ce fut une catastrophe naturelle due à une chaleur épouvantable. C'est alors que l'on essaya de résoudre les problèmes d'irrigation. Après quelques siècles, les premiers concours de labour firent leur apparition. La finale se déroula par deux fois entre l'Allemagne et la France. En 1973, la crise du pétrole. Ce fut une période de colonisation. Ce fut une période pour nous, pauvres agriculteurs. Nous avons dû économiser l'énergie. Pour cela, nous avons dû réutiliser des méthodes. Ce ne fut pas le seul problème, car en 1984, on instaura les quotas laitiers. Notre agriculteur, nous en avons souffert ainsi que nos vaches. Nous autres, à la MSA, nous étudions essentiellement le passé, mais nous pensons aussi à l'avenir de l'agriculture. Regardons ensemble comment se présentera peut-être la vache du futur qui résoudra le problème des quotas laitiers. Néanmoins, cette vision futuriste n'est qu'une hypothèse. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous revoir à une prochaine conférence. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.
avec bagage. Michou et Marc. Une chanson des visiteurs, Bertignac, ces idées-là.
vous êtes assez sage, on va quand même vous faire un petit... This is a heavy, heavy monster side. But that is kind of wrong. So you're coming on the street and you're so big in your feet. Well, listen, Buster, the better start to move your feet. To the rockiness, rock's an enemy of madness. One step beyond.
Maintenant, on va vous jouer, c'est la petite surprise. En fait, c'est une chanson que Billy a composée, les paroles, pour vous. Et ensemble, lui plus que moi naturellement, on a composé la musique et on va vous l'interpréter, ça s'appelle Musique pour drogue. Un coup de musique qui est de toi. 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 Un coup de musique qui est de toi.
trouvez pas que ça sent le café ici? Epa, epa! Quelle est la grosse? Minutos, due la vez. Un sourire à plus rapide que tous le Mexique. Thank you.
Alors nous arrivons au Fourche
la fourche de bronze est décernée à la classe de première des primes pour sa production Canal des primes. Yeah.
d'imaginer une soirée de Noël sans chant de Noël. Ce à quoi nous avons remédié, heureusement. Voilà, la soirée se termine. On va tous regagner nos chambres. On va tous sortir. Un film qui était prévu, on ne peut pas le passer parce que la fête a été un peu longue. Come on.